Biggie. This goes out to you. This goes out to you and you and you, Biggie. You. This goes out to you. This goes out to you. This goes out to you and you and you. Your reign on the top was short like leprechauns as I crush so-called Willies, thugs, and rapadons. Get in that ass quick, fast like Ramadan. It's that rap phenomenon, Don Dada. Fuck Papa, you got to call me Francis M.H. White intake like toast, tote iron. Was told in shootouts, stay low and keep firing. Keep extra clips for extra shit. Who's next to flip on that cat with that grip on rap? The most shady, Frankie baby. Ain't no telling where I may be. May see me in D.C. at Howard Homecoming with my man Capone drumming fucking something. You should know my steelo. Went from 10 G's for blow to 30 G's a show to orgies with hoes I never seen before. So, Jesus, get off the notorious. Before I squeeze and bust. If the beef between us, we can settle it with the chrome and metal shit. I make it hot like a kettle get. You're delicate, you better get. Who sent you? You still pedal shit. I got more rides than Great Adventure. Biggie, how are you gonna do it? Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. On your mark, get set. When I spark, get wet. Look how dark it get when you mark for death. Should I start your breath or should I let you die? In fear, you start to cry. Ask why. Lyrically, I'm worship. Don't front the word sick. You cursed it, but rehearsed it. I drop unexpectedly like bird shit. You herbs get stuck quickly for royalties and show money. Don't forget the publishing. I punish them. I'm done with them, son. I'm surprised you run with them. I think they got cum in them. Cause they nothing but dicks. Trying to blow up like nitro and dynamite sticks. Mad, I smoke hydro, rock diamonds, that's sick. Got paid off my flow, rhyme with my own clip. Take trips to Cairo, laying with your bitch. I know you playing, you was rich, fucking prick. When I see you, I'ma kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. This goes out for those that choose to use disrespectful views on the king of NY. Fuck that, why try? Throw bleach in your eye. Now you're brailing it. Snatch that light shit, I'm scaling it. Conscience of your nonsense. In 88, so more powder than Johnson & Johnson. Tote steel like Bronson. Vigilante, you wanna get on, son? You need to ask me. Ain't no other kings in this rap thing. They siblings, nothing but my children. One shot, they disappearing. It's ill when MCs used to be on cruddy shit. Took home, ready to die. Listen, study shit. Now they on some money shit. Successful out the blue. They lightweight. Fred Jilly, my 9 milli make the white shake. That's why my money never funny. And you still recouping. Stupid, 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 stupid. Je dirige la branche promotion construction de Vinci Construction France.
donc en charge de la réalisation de la future résidence qui verra le jour sur ce site. Alors quelques petits mots avant qu'on se prête au jeu du vote. Pourquoi avoir organisé un concours de street art dans le cadre d'une promotion immobilière? Quel est le lien? Tout simplement, on avait envie de marquer une étape importante d'un projet immobilier qui est l'acquisition du terrain. Et puis les quelques semaines qui restent à vivre de ce bâtiment qui a connu d'autres histoires avant nous. Et donc on cherchait une façon de marquer cette étape qui soit à l'image des résidences Priméa que Vinci Construction France développe, c'est-à-dire un événement un peu différent, un peu innovant, mais aussi un événement ancré localement. C'est pour ça qu'on a fait appel à l'association Damas, qui est robésienne, qui connaît très bien le secteur. Et puis également un événement social qui crée du lien, puisque c'est aussi le souhait et le but de nos résidences Priméa. Alors sans faire 4 heures de pub, Priméa, c'est un concept développé nationalement par Vinci Construction France. Un concept qui vise à mettre sur le marché des logements neufs et de qualité, mais à moindre coût, en mettant pour cela en musique toutes les compétences qu'on peut avoir dans le groupe pour faire baisser les coûts de revient, également faire baisser les coûts de circuit de commercialisation, et puis de faire les choses un peu différemment pour se rapprocher du client final. Je vais laisser Vincent Brocante, qui s'occupe du projet dans l'équipe, vous présenter en 3 mots la résidence. Et puis je reviendrai après sur le concours. Juste un tout petit peu plus de 3 mots quand même. Mais donc, Ficosi, c'est une résidence de 82 logements. 82 logements, on a du T2 au T5, donc une chambre jusqu'à 4 chambres, donc 50 mètres carrés jusqu'à 105, 106 mètres carrés. C'est deux bâtiments, donc les 82 logements sont répartis sur deux bâtiments. Un qui sera le long de la rue de Lille, la rue par laquelle vous êtes arrivé, qui proposera à peu près 40 logements. Et le deuxième bâtiment, le bâtiment B, sera implanté un peu au prou à l'emplacement actuel du bâtiment historique. Et vous avez derrière vous là l'ensemble du parc croisé qui sera maintenu. Donc on aura un parc paysager qui sera là pour servir d'espace de jeu, puis d'aire de promenade. On a également un parking sous-sol avec pas mal de places, 60 places en sous-sol et puis des places aériennes. Rapidement, effectivement, c'est des logements, comme disait Cécile, optimisés. Donc on a des surfaces généreuses aussi, puisque le T2 fait à peu près 50 mètres carrés. Les T3 font 63-64 mètres carrés, donc c'est plutôt des logements spacieux. Et de fait, par la conception optimisée, on a des prix de construction et des rendements de plan qui sont intéressants. Donc on a effectivement un prix de plan qui est intéressant, parce qu'on a 2500 euros TTC le mètre carré habitable, compris la place de parking. Ce qui est quand même un bel avantage commercial par rapport notamment à l'emplacement du site. Donc il y a Victoria qui est là, un petit badge qui peut vous donner des renseignements complémentaires, donc bon, je ne vais pas m'étendre plus que ça. Et Victoria pourra faire les simulations pour l'accession et puis aussi pour l'investissement. Voilà. Et donc pour plus de renseignements, n'hésitez pas à aller voir Victoria aujourd'hui. Sinon, il est dans la bulle de vente qui est située sur la place juste à côté. Vous avez les plaquettes, les coordonnées, vous avez tout ce qu'il faut. Pour revenir donc sur notre concours de street art, on a donné un thème pour les fresques que vous voyez là, qui était la ville en mouvement. Alors pourquoi la ville en mouvement? Parce que ce site, il a longtemps été occupé par les bureaux de la filature du jardin. Et puis plus récemment, il a fait l'objet de pas mal d'actualités puisque c'était le lieu de tournage de la série télévisée Petit Meurtre d'Agatha Christie. Donc voilà, une nouvelle vie aujourd'hui pour ce bâtiment. Donc voilà, le thème de la ville en mouvement. Donc le principe, c'est qu'il y a quatre graffeurs qui ont travaillé depuis jeudi après-midi, quand même, il faut se rendre compte du boulot, pour réaliser les fresques qui sont sur le mur là-bas. L'idée, vous avez des petits papiers, c'est que vous votiez dessus sur... alors, je ne sais pas comment... c'est quoi le numéro? Il y a un numéro par fresque. C'est écrit au sol le numéro des fresques, voilà, pour lequel vous pouvez voter. Et ce qu'on fera, c'est qu'ensuite, la fresque qui sera retenue sera prise en... sera immortalisé par une photo qu'on reproduira en grand format et qu'on mettra dans le hall de la future résidence. Voilà. Pour garder une petite trace de tout ça. Et en parallèle, il y a une frise participative sur le mur au fond à gauche. Et donc vous pouvez aller vous initier
avec l'aide et l'appui, je pense, des pros de Damas, à faire un peu de graphe. On s'est prêté un peu à ce jeu-là, nous, à notre occasion chez Vinci, et c'est quand même super sympa, donc n'hésitez pas. Et puis, en même temps, vous pouvez manger un petit peu. Là, il travaille sur quel maire. C'était un moyen, enfin le plus astucieux je pense, de faire déplacer la ville sur un animal et voilà, ça a été le... Enfin je sais pas, il n'y a pas vraiment de raison particulière. Peut-être que la ville se casse pas la gueule. C'est ça. Voilà. La sûreté dans le temps et ouais, la longévité, je sais pas, j'ai... Ah, voilà. Très bien. Merci et bravo. Merci ouais. Vous. Bah, en bon usage. Ouais, ouais, ça sera... au courant de quand le hall sera fini, mais pour ça, il faut déjà continuer à trouver des acquéreurs pour pouvoir lancer les travaux. Chaque chose en son temps. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à la masse aussi. Et oui, pour l'organisation, le choix qualitatif des graffeurs. Ah ouais. En moins de deux semaines, on est bien débrouillé. Ouais, carrément, encore. Je te rappelle, Nicolas.